Bon, je vais rétablir la vérité sur les Lego Star Wars. Je vais démonter le film. Et ouais, parce que là, je viens d'être endoctriné. J'ai vu la vérité et je veux vous la transmettre. Et ben, je vais pas être gentil. Allez, on s'échauffe, on fait des petits sauts là, tranquille. C'est plat, déjà tu as pas vraiment les dialogues qui vont avec. Bim, tu l'as vu celui-là? T'as pas la musique surtout derrière, l'ambiance. Et bim. Et puis c'est expédié un peu trop rapidement, ce que j'ai trouvé ultra dommage. BOUM. Personnellement je trouve qu'ils n'en ont pas fait assez. Voilà, je savais que ça allait arriver. L'humour est timide. Vraiment une quenelle en boîte. Combien de fois on a eu l'humour avec un personnage Lego qui tient des glaces et qui fait des trucs n'importe quoi avec... Ah t'es content là? Content? T'es content? Non, non et non. Déjà c'est pas très très bon. Bim! Si ça c'est déjà pas bon, bah on va voir la suite. Tout cet ensemble là, c'est une pâle copie de l'épisode 4. Oh non, je me suis fait niquer comme une grosse quenelle. J'en reviens à Rey pour dire qu'elle est la sœur de Chewbacca, pour pas qu'elle devienne trop forte. En plus, ce qui me fait dire qu'elle est la fille de Chewbacca, on l'entend quand elle était petite crier. Oh non, j'ai loupé, mais quel tub! Mais il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Oh, comme j'enchaîne! Alors peut-être que c'est lié à l'histoire du film. Je suis ton père, Luke, putain! Saleté de cerveau de merde, tu t'étais fait endoctriner comme un con. Mais tout ça pour vous dire que c'est mou, c'est long à se mettre en place. Ou alors c'est tout simplement Warner Bros qui n'a pas bien fait le boulot. Mais ils étaient trois, coucou. Mais bon, je ne vais pas comparer les deux. Là on parle de Lego Star Wars. Là c'était pas génial. Oh là 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 là, mais on se fait mais démonter. C'est redondant et il faut s'accrocher. Je sais pas quoi faire. Alors, il y a des combats, et là, je pense notamment au combat entre Kylo Ren et Rey. C'est n'importe quoi. Je vais essayer de vite les oublier, histoire de ne plus y penser, et qu'on passe à autre chose, hein, d'accord? Voilà, j'ai enfin terminé mon putain de coup de gueule, et tout s'est écroulé. Je ne peux que terminer sur une note sévère de 30%. Je vous ai peut-être paru disproportionné dans cette vidéo. Allez, en espérant qu'on ait du bon pour l'avenir, je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. BOUM!